Annenberg Media. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Underway at last. But the man in black is following, and Mireille and Robert leave their friends and try in vain to lose him. Robert is hurt in a fall, and Mireille endangered by fire, but all ends well, and that's well. Or good. Well, anyway, not bad. Le lendemain matin, Jean-Michel et Robert se retrouvent place Vavin. Salut. Salut. Il y a longtemps que tu es là? Non, je viens d'arriver. Ah bon? Bah, c'est tout ce que tu emportes? Oui, j'aime voyager léger. Tu es bien chargé, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tente. Hubert en apporte une aussi. Comme ça, on pourra camper si on trouve un endroit sympa. Tiens, les voilà. Ouais. En effet, la mère arrive avec Hubert, Colette et Mireille. Salut! Salut. Ça va? Tout ça va? Ça fait longtemps que vous êtes là? Non, on vient d'arriver. Tiens, où est-ce que je mets tout ça? Par là. Ouais. Tu prends mon sac? Ma tante? Oui. Ouh. Ça va? Voilà. On va prendre un petit café avant de partir? Mireille jette un coup d'œil au petit café sur la place et aperçoit l'homme en noir caché derrière son journal. Non, non, on n'a pas le temps. Tout à l'heure sur la route, plus tard. Mais... Allez, hop, en voiture, on part. Comment est-ce qu'on se met? Bah, les garçons devant, Mireille avec moi derrière. Ah non, 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 il n'y a pas assez de place devant, ça va me gêner pour conduire. Alors, Mireille, qui est petite, devant et les autres derrière. Mais non, on va être serré comme des sardines. Non, Jean-Michel devant et Robert avec nous derrière. Ben voilà. Allez, tout le monde en voiture, dépêchez-vous. Bon alors, ça y est, tout le monde y est? Ouais. Hein? On n'a rien oublié? Non, non, vas-y. Non. On y va. Allons-y. Et ils y vont. La Méhari Azur démarre bruyamment. Jean-Michel a pris le volant. Au premier croisement, il oblique vers la gauche. À droite, voyons. Mais non, c'est à gauche. Je vous dis que c'était à droite qu'il fallait aller. Mais non, mais non, mais non, à gauche. Bon, passe-moi la carte. Eh bien, à droite ou à gauche, ça revient au même. À l'arrière de la voiture, Mireille étudie dans le guide la description des musées et des églises de Rouen. Colette est plongée dans le Goemio pour découvrir les meilleurs restaurants de la région. Devant, Hubert et Jean-Michel discutent politique. Marx. Marx. Mais Marx vivait au siècle dernier, mon cher ami. Ah. Là, j'ai un restaurant qui a l'air très intéressant. Spécialité de saône normande. On croit rêver. Canard rouennais. Mais c'est faux. Faux, archi faux. Poulet valet d'Auge. Comme une casserole, c'est tout. Mais c'est vous qui raisonnez comme une casserole, mon cher ami. Bah. Voilà Rouen. Ils entrent dans la ville par des rues étroites et pittoresques. Ils passent sous le gros horloge. Ils arrivent sur la place du Vieux Marché. Hubert, debout à l'avant de la voiture, fait le guide. C'est sur cette place qu'on a brûlé Jeanne d'Arc, sur un bûcher. J'aurais aimé vivre à cette époque. Tu te sens une vocation pour le bûcher? Non, au contraire. J'ai une vocation de pompier. J'ai toujours rêvé d'être pompier. Je me vois très bien arrivant sur mon cheval. Les pompiers étaient à cheval à l'époque, je suppose. Avec un magnifique casque d'argent, plongeant dans la fumée et sauvant Jeanne d'Arc des flammes. Vous auriez saboté la formation de la nation française.
Quelle bêtise! La formation d'une nation est due à des raisons purement économiques. Oh, matérialisme débile! Mais où va-t-on pouvoir se garer? Une fois la Méhari garée près de l'église Saint-Maclou, pas très loin de la cathédrale, Hubert commence à s'intéresser sérieusement à la question du déjeuner. Bon, alors Colette, où est-il ce fameux restaurant? Il doit pas être loin d'ici, attends, je vais voir. Quel jour on est au fait? Mardi. Mardi, oui. Oh zut, ça alors. C'est là où c'est? Bah, il est fermé le mardi, qu'est-ce qu'on va faire? Oh bah, c'est pas grave, on a qu'à aller ailleurs. Dommage quand même. Oui. Oh, écoutez, j'ai une idée. On va acheter des provisions et on va aller pique-niquer sur les bords de la Seine. Bonne idée. Très bonne idée. Parfait. Bon, alors, allez visiter la cathédrale. Mmh. Il est midi et demi. Mmh. Je m'occupe des provisions. Mmh. Il faut que je me dépêche avant que tous les magasins soient fermés. Rendez-vous à 1 heure devant la cathédrale. Parfait. Nous allons visiter. Voilà. Je viens avec toi. On vous laisse. Attends. Tu t'amuses, toi? Ben oui. Pas moi. J'en ai assez d'entendre Hubert et Jean-Michel discuter et Colette lire des menus. Écoute, laissons-les et partons tous les deux, seuls. Mais Robert, on va pas faire ça, voyons. Pourquoi? Parce que... Ils font quelques pas en silence. Il passe devant un café. Et à la terrasse de ce café, Mireille aperçoit qui? L'homme en noir caché derrière un journal. Tu vois le café à gauche? Te retourne pas. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce café? Rien. Mais je viens de voir un type que j'ai déjà vu ailleurs. Quelqu'un que tu connais? Non. Mais tu te souviens le jour où on est allé au cinéma? Je t'ai attendu dans un café. Mais il était assis à côté de moi. C'était le même. Sans blague, t'es sûr? Mais oui. Et le plus inquiétant, c'est que je l'ai vu ce matin. Place Vavin, avant qu'on parte. Au café où Hubert voulait aller. T'as rêvé? Mais non! Je suis sûre que c'est lui. Et je suis sûre de l'avoir vu ailleurs aussi. Tu te souviens le jour où on est allé à la Samaritaine? On a voulu prendre un taxi, il y avait quelqu'un dedans. Et ben c'était lui, j'en suis sûre. Tu crois? Tu l'as reconnu? Mais oui! Comment est-il? Il est habillé tout en noir. Il a un tic dans les yeux, il cligne constamment des yeux. Ça alors? Quoi? Un type tout en noir qui cligne des yeux? Tu sais, le jour où on est allé faire des courses à la Samaritaine? Ouais. En revenant, j'ai pris un taxi, avec un chauffeur complètement dingue. Tellement que j'ai été obligé de sauter du taxi en marche. Bien maintenant que j'y pense, ce chauffeur est habillé tout en noir, il a des yeux comme un fou. Tu es sûr? Ouais. Et le jour où on est allé à la closerie des Lilas, je suis allé téléphoner et il y a un type tout en noir qui m'a suivi. Je suis sûr que c'est le même. Et plus tard, je l'ai revu quand j'étais au Luxembourg avec Marie-Laure. Et Marie-Laure qui parle toujours d'un homme en noir quand elle raconte ses histoires à dormir debout. Mais c'est peut-être vrai, elle n'inventait pas. Mais qui c'est? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il nous suit? Mais qui il suit d'abord, toi ou moi? Il est de la police, c'est un terroriste? Pourquoi t'es venu en France? T'as tué quelqu'un? T'es un terroriste? Tu fais du trafic de drogue? Mais non. C'est peut-être toi qui suis. Robert, je crois que j'ai peur. J'ai peur parce que je comprends pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Faut partir tout de suite. Ouais, c'est ça. Allons rejoindre les autres. Faut partir sans les autres. Mais pourquoi? Réfléchis. Si le type nous a suivis jusqu'ici, c'est qu'il nous a vu partir ce matin dans la Méhari. Il faut laisser partir les autres avec la Méhari et partir de notre côté. Allez, viens vite. Robert et Mireille courent jusqu'à la Méhari. J'ai tout le sac. Tu as le fric? Quoi? Le fric, l'argent de la loterie. Oui. Prends-en la moitié. Oh non, j'aurais peur de le perdre. Non, on sait jamais ce qui peut arriver. Prends-en la moitié. Filons.
Et où on va? Je sais pas, l'important c'est de partir d'ici le plus vite possible. Allez, viens. Ils prennent leur sac et laissent un mot sur le pare-brise. Des circonstances imprévues et impératives nous obligent à vous quitter. Continuez sans nous, Pise, Mireille et Robert. Et ils partent en courant à travers les vieilles rues de Rouen. Le premier camion qui passe s'arrête. Bonjour, vous allez où? Et vous? En Turquie. Ah ben nous aussi. Ah ben ça c'est une coïncidence. Eh bien montez, allez-y. Merci. Dix minutes après, le camion passe devant un aéroport. Robert aperçoit un petit avion qui semble prêt à partir. Il demande aussitôt au chauffeur d'arrêter. Vous pouvez nous arrêter? On n'est pas arrivé. Je sais, mais j'ai oublié ma brosse à dents. Dans ce cas... Robert sort un paquet de billets qu'il met dans les mains du pilote ahuri. Car Robert est un garçon honnête, même quand il est pressé. Ça, c'est pour l'assurance. Et ça, c'est pour l'essence. Merci, salut. Et les voilà tous les deux dans l'avion, avant que le pilote ait bien compris ce qui se passait. Tu sais piloter? Un peu. Robert essaie tous les boutons. Pousse, tire... Par miracle, le moteur commence à tourner. L'avion démarre et, après quelques hésitations bien compréhensibles, accepte de décoller. Mireille regarde derrière eux et ne voit pas trace de l'homme en noir. Robert fonce droit devant lui. Tu sais où tu es? Non, je suis complètement perdu. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Oh, je crois que je vois le Mont Saint-Michel. Mais oui, c'est le Mont Saint-Michel. Bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je sais pas. Va vers la droite. Bon, regarde, qu'est-ce que tu vois maintenant? Un château. On doit être au-dessus des châteaux de la Loire. Oui, c'est ça. Ça doit être Chinon. Azé le rideau. Ça, c'est Cheverny. Auchambord. Ça, je crois que c'est Valencé. Là où on fait le fromage de chèvre. Oui, c'est ça. Seulement, ce n'est pas Valencé du tout, c'est Chenonceau. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Attends. Je vois des volcans. Éteints? Bah oui, bien sûr. On doit être au-dessus du massif central. Et maintenant? Oh, je vois une ville fortifiée. C'est Carcassonne. On est dans le midi. Mais oui, on est dans le midi. Je vois des arènes gallo-romaines. Ça doit être Nîmes. Ou Arles. C'est Nîmes. Bon, qu'est-ce que je fais? Bah, tourne vers la droite. On est au-dessus de la Côte d'Azur. Mais oui, c'est la Méditerranée. Maintenant, je vois des montagnes. Ce sont les Alpes. Oh oui, sûrement. Ça doit être le Mont Blanc. Oh, ça doit être les gorges du Verdon.
Mais qu'est-ce que tu fais? On redescend vers le sud. Voilà la mer de nouveau. Les calanques de cassis. Oh, des chevaux! Mais non, idiote, ce sont des taureaux. C'est la Camargue. Mais où vas-tu? On est sur les Pyrénées maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On passe en Espagne? Mais non, non, on remonte vers le nord. On est sur l'Atlantique maintenant. Je vois La Rochelle. On est au-dessus de la Bretagne. Une cathédrale. Mais c'est Notre-Dame! On est au-dessus de Paris. Une autre cathédrale. Je crois que c'est Amiens. Reims. Tiens, Strasbourg. On est en Alsace. Attention, on va passer en Allemagne. Tourne, tourne, reviens en arrière. Oh, des vignes. On est en Bourgogne. Eh bien, dis donc, on peut dire qu'on a parcouru l'hexagone dans tous les sens. Avec tous les zigzags qu'on a fait, l'homme en noir ne risque pas de nous retrouver. Ah, ça, non. Le petit avion descend dangereusement. Remonte, remonte, attention! Attention, remonte! Remonte! Robert réussit à remonter. Mais juste à ce moment-là, un avion à réaction traverse le ciel. Robert, qui a l'esprit vif, a tout de suite compris que c'est l'homme en noir. Zut, c'est lui. Il nous a rattrapés. Qu'est-ce qu'on fait? On descend. De toute façon, il n'y a plus d'essence. Mais attention, il paraît que c'est l'atterrissage qui est le plus dangereux. Ne t'inquiète pas, on va se poser comme un papillon. Robert arrive à poser l'avion au milieu d'un champ. Mireille et Robert sautent de l'avion et se dirigent vers une route qu'ils aperçoivent pas très loin. Enfin seul, ça repose. Ils arrivent à la route et voient un panneau indicateur. Robert lit Lyon et ajoute, car il commence à avoir une grande culture. Ah, Lyon, la capitale gastronomique de la France. On y va ? Allons-y. Une dame qui conduit une toute petite voiture s'arrête. Vous allez où ? À Lyon. Et où à Lyon ? À la gare ? C'est justement mon chemin. Et la dame emmène Robert et Mireille dans sa toute petite voiture et les laisse devant la gare de Lyon. Cette fois, je crois que ça y est, on l'a semé. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier TGV pour Marseille. On va quelque part sur la côte, tranquille au soleil. On va se reposer de nos émotions. Chouette, j'ai toujours voulu prendre le TGV. Dans le TGV, il se laisse aller à une douce béatitude. J'ai vraiment eu peur. Je suis bien contente que tu étais là. Le haut-parleur annonce... Mesdames et messieurs, nous venons d'atteindre notre vitesse de pointe de 270 km/h. À la vitesse où on va, ça m'étonnerait qu'ils puissent nous rattraper. Mais Robert et Mireille ne voient pas que l'homme en noir, caché par son journal, est là, juste derrière eux. Le Carlton à Cannes l'après-midi.
Robert et Mireille ont pu avoir deux belles chambres avec balcon donnant sur la mer. Vue imprenable sur la plage, les palmiers et la Méditerranée. Mireille s'installe dans sa chambre et commence à peigner ses cheveux qui sont longs et fins devant la fenêtre ouverte. Robert s'avance vers son balcon, perdu dans la contemplation du ciel qui est bleu comme les yeux bleus de Mireille. Quel beau temps. Robert ? Mais Robert ne l'entend pas. Toujours perdu dans la contemplation du bleu de la mer et du ciel, il continue à avancer. Quelle mer ! Quel ciel, pas un nuage. Mireille, un peu étonnée de ne pas avoir de réponse, arrête de se peigner un instant. Robert ? Toujours pas de réponse. Sérieusement inquiète cette fois, elle se lève, se précipite sur le balcon, se penche et voit Robert étendu par terre. Robert ! Un infirmier et une infirmière le mettent dans une ambulance qui démarre dans un grand bruit de sirène. Ce n'était pas l'hélicoptère de la gendarmerie, mais il l'emmène sûrement à l'hôpital, pense Mireille, car elle a toujours l'esprit aussi vif. Pourvu qu'il n'ait que des contusions légères, pense-t-elle encore, car elle manie aisément le subjonctif. À l'hôpital, Robert est dans son lit, bandé des pieds à la tête. Mireille a mis une blouse blanche d'infirmière. Elle joue les infirmières avec beaucoup de talent. Elle fait boire un peu de thé à Robert. Allez, c'est rien. C'est pas aussi grave que ça aurait pu l'être. Ça va aller mieux. Quelle heure il est ? 8 heures déjà, il faut que je rentre à l'hôtel. Tu n'as besoin de rien ? Surtout, sois sage, hein, et sois prudent. Ne fais pas de bêtises, hein. Et elle s'en va, sa blouse d'infirmière sous le bras. Au moment où elle arrive au Carlton, elle voit l'homme en noir qui en sort et qui se dirige vers elle. Elle s'arrête terrifiée. L'homme en noir aussi s'est arrêté. Il la regarde. Lentement, il met sa main droite dans la poche intérieure de sa veste. Mireille a fermé les yeux. Quand elle les rouvre, elle voit que l'homme en noir lui tend une carte de visite. Mademoiselle, permettez-moi, ça fait un mois... Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Oui, ça fait un mois... Que dis-je ? Permettez-moi de... Fred Barzik, cinéaste. Je dois tourner un film pour enseigner le français. Voilà. Je vous observe depuis... Et ça fait un mois que je cherche à vous aborder... Parce que je cherche, voyez-vous, une jeune fille, bien française, jolie, fine, distinguée, pour le rôle principal, n'est-ce pas ? Et vous êtes exactement ce qu'il faut. J'espère que vous voudrez bien accepter le rôle. Mais monsieur, c'est le plus beau jour de ma vie ! J'ai enfin réalisé le rêve de mon enfance, être infirmière et actrice. Quel bonheur ! Dans sa chambre d'hôpital, le pauvre Robert s'ennuie. Il écoute la radio pour passer le temps. Il dort à moitié. Mais tout à coup, il se réveille. Nous apprenons à l'instant qu'une bombe vient d'éclater à l'hôtel Carlton. L'immeuble est en flammes. On ignore s'il y a des victimes. Robert se lève comme un ressort. Il bondit vers la porte. S'arrête, arrache ses bandages, met son pantalon. Et...
Et il se précipite dans la rue. Juste à ce moment, un camion de pompiers qui roule à toute vitesse passe devant l'hôpital. Robert court et, se prenant pour Tarzan, saute sur le camion qui va évidemment au carton. Robert cherche des yeux la grande échelle et une fenêtre qui crache des flammes et de la fumée pour y plonger. Mais il ne voit que de la fumée. Il s'élance alors sans regarder ni à droite ni à gauche pour se précipiter dans la fumée. Mais un pompier l'arrête. Je ne pourrais rater sans casque, le port du casque est obligatoire. Qu'à cela ne tienne, Robert prend le casque du pompier et plonge héroïquement dans la fumée. Quelques minutes plus tard, il réapparaît traîné par Mireille, à moitié évanoui. Ça doit être une erreur. Ils ont dû se tromper de scénario. Est-ce que ce ne serait pas plutôt Robert qui devrait sortir de la fumée en portant Mireille évanouie dans ses bras? Mais oui, c'est ça. Allez, on recommence. Ils disparaissent de nouveau dans la fumée et réapparaissent quelques minutes plus tard, Robert portant triomphalement Mireille évanouie ou souriante dans ses bras. C'est le soir. La fumée a disparu. Le soleil se couche sur la mer. Des lumières s'allument tout le long de la côte. C'est vraiment une très belle soirée de printemps. Un couple qui se tient par la main s'éloigne sur la plage. C'est sûrement Mireille et Robert qui s'en vont vers de nouvelles aventures.